Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de choisir l'ORTM pour les informations. Activité syndicale, c'est Marafa Touré qui est désormais à la tête du syndicat national des transports. Il a été élu à la faveur du 12e congrès statutaire du syndicat. Également, les participants ont examiné et adopté les rapports d'activité et financiers du mandat écoulé. Reportage Moussa Fani. C'est Marafa Touré qui succède à Yaya Malé à la tête du syndicat national des transports pour un mandat de 5 ans. Il place son mandat sous les signes de l'unité et la défense des intérêts des travailleurs du secteur. Le syndicat national des transports, à partir d'aujourd'hui, vont parler d'une seule voix. Parce que ce congrès, on les place sous les signes de l'unité. Pour que tout un chacun prévoie quelque chose dans leur section. C'est pour que tous les transports parlent d'une seule voix. Cette voix, c'est quoi? Ça, c'est l'unité, la paix et la réconciliation. On a des défis majeurs à relever, mais les attentes sont d'abord la réconciliation du secteur des transports. Il est bon de mettre démocratiquement un bureau en place, mais ce bureau aussi a besoin de soutien moral, financier, matériel. Je vous invite à faire le nécessaire pour que notre syndicat, dans les 5 ans à venir, puisse placer plus de cartes syndicales que tous les autres syndicats nationaux. On n'est vraiment syndiqué que quand on a une carte syndicale. À l'issue du congrès, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles le renforcement des capacités des syndicalistes aéronautiques du Mali, la création d'un cadre de concertation entre les autorités et les transporteurs. Restons toujours avec les syndicats. Fin des festivités marquant les 50 ans de lutte du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Les festivités commémoratives tenues à la Bourse du Travail ont été marquées par la présentation du bilan du mouvement et de la remise d'attestation de reconnaissance aux anciens militants qui se sont fait distinguer. Compte rendu, Fadimba Keïta. Ces festivités qui s'achèvent jettent un regard rétrospectif sur les 50 ans de lutte du syndicat national de l'éducation et de la culture. Elles s'inscrivent dans le cadre de la valorisation des conditions de vie et du travail des militants, mais aussi de la promotion de l'école et de la culture malienne. Le bilan, il est assez exhaustif. Le premier durant notre parcours, c'est notre participation de qualité à la réforme de l'éducation en 1962, la réforme du système éducatif malien avec le président Modibo Keïta. Le deuxième, c'est notre contribution de qualité à toutes les révolutions pour la justice et la démocratie dans notre pays. Je parle de la démocratie, surtout de la révolution de mars 1991. La troisième, c'est surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, mais aussi des travailleurs de la culture, de la jeunesse et des sports. Les anciens rappellent à la nouvelle génération que le métier d'enseignant est un sacerdoce. Nous sommes très fiers d'avoir augmenté le taux de scolarisation à l'époque 15, 16, 20% jusqu'à 60%. Et un enseignement de qualité ici parce que nous rencontrons nos élèves qui sont un peu de tout. L'encadrement a été de plus en plus saboté jusqu'à ce que ce qui nous arrive maintenant, on a pris n'importe qui comme enseignant. Il ne suffit pas seulement de ne pas être au niveau, mais il faut avoir l'amour de cela pour te mettre au niveau. Les primes de direction, d'indemnité de séjour et de correction, la création de l'AMBITEC, l'amitié de l'éducation et de la culture, le reclassement de certains inspecteurs de jeunesse en catégorie A sont entre autres les réalisations menées par le syndicat national de l'éducation et de la culture. La remise d'attestation de reconnaissance aux anciens militants SNEC et à ceux qui se sont fait distinguer au sein de la centrale a mis fin aux festivités du cinquantenaire du syndicat national de l'éducation et de la culture. Quelle vision et quel type de comportement pour la jeunesse malienne d'aujourd'hui? C'est le thème d'une conférence débat animée hier par le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, Moussa Mara. C'est à l'occasion du 2e anniversaire de l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne. Reportage Fadimba Keïta avec la voix de Nuhum Sissoko. Un pays ne saurait atteindre le développement escompté sans une jeunesse consciente,
C'est dans le but d'amener les jeunes à être acteurs de ce développement que se tient cette conférence. Elle est initiée par l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne à l'occasion de son 2e anniversaire. Les échanges portent sur le thème « Quelle vision et quel type de comportement pour la jeunesse malienne d'aujourd'hui ?» Pour faire voir un peu l'association et tout ce que nous avons pu réaliser depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Selon les conférenciers Mamadou Fanta Simaga et Moussa Mara, l'interrogation pose les jalons de la citoyenneté dans un pays où la crise socio-sécuritaire a profondément bouleversé le tissu économique. Quand on écoute la jeunesse dans notre pays, aussi bien dans les universités que dans la rue, que dans les familles, on a tendance à penser que les jeunes se situent en position de tout recevoir. Il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas tout avoir. Je pense que cette posture-là, il faut l'abandonner. De sa création à ce jour, l'Association pour le changement de comportement de la jeunesse malienne a mené plusieurs activités. Des conférences sur la délinquance en milieu scolaire, sur les secrets de la réussite scolaire, des campagnes de sensibilisation sur la circulation routière, entre autres. Cette initiative instruit aux jeunes de prioriser les devoirs par rapport aux droits. Activité ministérielle, toujours le ministre de l'Éducation nationale et son homologue cambodgien de l'éducation, de la jeunesse et des sports ont procédé ce matin à l'inauguration d'un nouveau complexe scolaire à Manyambougou Extension. L'établissement est le fruit du partenariat entre le Mali et le Cambodge, compte rendu Abdul Karim Kaba. Ce complexe est situé à Manyambougou Extension, non loin du stade de 26 mars. Il a vu le jour grâce à un partenariat entre le Mali et le Cambodge. Votre présence à cette cérémonie, Madame le ministre de l'Éducation nationale du Mali, témoigne de votre engagement d'œuvrer à la création des conditions propices pour la restauration des valeurs cardinales qui furent jadis le credo de l'école malienne, à savoir une éducation pour tous et un enseignement de qualité. Vos actions de tous les jours, Madame le ministre, à travers votre département, nous font à croire que cet objectif clairement affiché sera atteint. Le complexe compte 16 salles de classe multifonctionnelles, des laboratoires, une salle d'informatique entre autres. Les seconds cycles et les lycées sont en sentier. L'établissement matérialise la bonne relation entre les deux pays. Nonobstant la distance qui sépare les deux pays, le Cambodge a de manière encourageante manifesté sa disponibilité à coopérer avec le Mali. C'est grâce à l'esprit de Bandung, basé sur la paix, la sécurité, la souveraineté, la solidarité et la justice, que doit s'établir une solidarité exemplaire entre nos deux pays et nos deux peuples. Notre objectif à travers notre constitution et tous nos engagements internationaux et d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants du Mali. Les moyens de l'État ne suffisent pas pour relever ce défi. C'est pour cette raison que nous développons l'accès au niveau des écoles publiques. Et c'est pour cette même raison que nous avons mis en place une politique favorisant le développement des écoles privées. Le complexe Sandek Houchen offre un cadre idéal aux enfants de bien étudier. A noter que Sandek Houchen est le nom du premier ministre cambodgien. Restons encore à l'école, inauguration hier de la nouvelle école bétanée de Katikoko. La cérémonie a regroupé les autorités administratives, scolaires, les notabilités de la localité. Reportage Lamine Keïta. Fruit du jumelage entre la commune urbaine de Kati et l'association Les Cercles des Amis de Kati à Erfurt en Allemagne, la nouvelle école est composée de 6 classes équipées. Les enfants de l'orphelinat David R. Roy et les enfants démunis du quartier de Katikoko en sont les bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis sous le coup de l'émotion parce que ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. 6 classes équipées, vous voyez le plafond, les tables bancs, vraiment les mots me manquent. Nous n'avons pas déboursé un sou. Les Allemands ont tout fait pour nous dans le cadre du jumelage coopération. C'est quand même
quelque chose de grandiose. Pour le président de l'association Le Cercle des Amis de Cathy à Erfurt en Allemagne, ce geste s'inscrit dans un cadre humanitaire. Aujourd'hui, nous n'avions pas encore atteint le bout de notre projet. Au contraire, je pense que nous sommes au début. Je pense que la plus importante matière va commencer. L'école, les cours, les écolières, les enseignantes. C'est le but de tous les efforts. J'espère que l'établissement va avoir des moyens financiers toujours. Avec cette nouvelle école, l'année 2014 commence en beauté pour les enfants de l'orphelinat David et Roy et les enfants de Cathy Coco Tomo. Je vous le disais dans le titre, le conseil de cercle des Cailles dispose désormais d'un centre multifonctionnel qui porte le nom de Houri Demba Diallo, premier président du conseil de cercle de la Cité des Rails. Le centre qui a été inauguré hier a coûté plus de 87 millions de francs CFA. Il comprend, entre autres, une salle de conférence d'une capacité de 150 places et un espace vert, compte rendu Jafar Aïdara. Cette inauguration du centre Houri Demba Diallo est la démonstration talentueuse de la dynamique amorcée par les collectivités territoriales à travers l'émergence des initiatives locales visant à apporter à nos populations une véritable réponse à leurs préoccupations. Ce centre porte le nom de Houri Demba Diallo, qui fut le premier président du Conseil du Cercle des Cailles de 1999 à 2003. Le fait qu'on a dédié ce centre à Houri Demba Diallo est très significatif. C'est le premier président du Conseil du Cercle de Cailles. Aussi, c'est un pionnier du développement. À l'heure de la décentralisation, ce sont ces acteurs-là qui ont cru à la population, qui ont cru que la population peut se prendre en charge. Ce centre qui vient d'être inauguré est composé d'une salle de conférence VIP, d'une capacité d'accueil de 150 places, équipée d'appareils multimédia, d'un bureau pour gestionnaire, deux toilettes intégrées, un bar, une cuisine, un espace vert avec trois paillotes, une estrade. Nous assistons là à rendre hommage à quelqu'un de son vivant, ce qui n'est pas fréquent chez nous. Voilà quelqu'un qui a tout donné pour son cercle, pour sa ville, pour son pays, à qui on rend hommage de son vivant. Je voudrais également profiter de cette occasion-là pour inviter le conseil des cercles, plus le conseil régional et la commune urbaine, qui sont à peu près dans le même secteur, de se donner la main pour qu'on puisse travailler sur leur accès. D'ores et déjà, je lui dis au président que le gouvernement est prêt à les accompagner et à les appuyer. Il faut rappeler que ce centre Houri Demba Diallo a été bâti et équipé par le conseil de cercle de Cailles à hauteur de 87 millions de francs CFA, dont 85% sur fonds propres et 15% sur les droits de tirage de l'ANCT de 2011. Cap à présent sur la région de Ségou, dégager des actions et stratégies consensuelles visant à atténuer les conflits communautaires entre les populations de Diabali. C'est l'objectif d'une journée d'échange initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. La rencontre a regroupé autorités et leaders communautaires de la localité. Reportage Kandesilla. Identifier les paramètres des situations conflictuelles et proposer des actions et stratégies pouvant favoriser le dialogue et la cohésion sociale sont entre autres objectifs de cette journée d'échange entre les autorités et les leaders communautaires de Diabali. Une journée initiée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement et ses partenaires dont l'Union européenne. Le comité de veille a élaboré un document qui va être présenté aujourd'hui pour nous dire les différents conflits qui sont dans la localité, quelles sont les causes de ces conflits dans la localité, et ensemble nous allons identifier les stratégies pouvant vraiment nous amener à prévenir et à gérer de façon pérenne et idoine les conflits identifiés. Sur la base du rapport d'analyse des conflits présenté par le président du comité de suivi, Ousmane Diallo, plusieurs causes sont à l'origine des conflits à Diabali, des causes liées au pâturage, aux fonciers et les questions politiques. J'ose alors espérer qu'à la sortie des échanges de cette journée, les acteurs seront informés sur les paramètres des situations conflictuelles établies par des citoyens réunis au sein du comité de veille sur les conflits. Notons enfin que ce rapport, analysé et finalisé,
servira désormais de guide au comité de veille de Djabali, qui prévoit des rencontres mensuelles et d'autres activités d'information et de sensibilisation sur le dialogue et la paix dans les radios de proximité ou dans les lieux de culte. Le chef d'état-major de l'armée de terre informe les militaires du contingent 2013 des centres d'instruction de Tibi et de Koutiala affectés à Ségou que la date de leur regroupement pour la formation du programme EUTM a été avancée. En conséquence, il est demandé aux militaires concernés de se présenter impérativement au camp militaire Sékou Hamadou de Ségou le dimanche 5 janvier 2014 au plus tard à 16h. Ce communiqué tient lieu de convocation et aucune absence ne sera tolérée. Retour ici à Bamako, le Conseil Action pour le Développement de la Commune 5 du district vient de lancer ses activités de sensibilisation, des activités financées par l'ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. C'était en présence des autorités municipales. Compte rendu, Batraoré. Le Conseil Action pour le Développement Local, CADL, entend assurer la relève générationnelle de l'équité genre. Selon ses responsables, une vaste campagne de sensibilisation et de formation sera bientôt engagée. L'objectif global que nous visons à travers ce projet, c'est d'accroître le taux de représentativité des jeunes et des femmes dans les instances de décision politique, surtout au niveau des communales à venir. Il y aura ensuite la formation des responsables des partis politiques sur les notions de genre et d'équité. Pour réussir ce programme de sensibilisation, le Conseil Action pour le Développement Local bénéficie du soutien de l'ambassade du Canada. Le Fonds canadien est un programme qui appuie des micro-projets à court terme, proposés et mis en œuvre par des ONG locales. L'idée principale est de répondre aux besoins locaux en travaillant au niveau communautaire. Ce projet des jeunes du CADL bénéficie de l'accompagnement des autorités communales. C'est à l'échelon local qu'il y a lieu de susciter à la fois l'intérêt et la portée d'une gestion transparente des affaires publiques. En cela, la participation des jeunes et des femmes et au-delà leur élection responsabilisation doit participer au souci permanent des activités nationales et aussi des leaders et autres autorités politiques. Les représentants de plusieurs partis politiques ont assisté à cette cérémonie de lancement des activités du Conseil Action pour le Développement Local. Autre grand titre de ce journal, désormais les artistes en herbe au Mali auront une tribune pour exprimer leurs talents. Il s'agit du festival Spot de musique dont la première édition est prévue pour le 18 janvier au cocotier de la maison de l'Université de l'École de Jeunesse Christianie. L'information a été donnée au cours d'un point de presse suivi par Aljumatina. Un mini-festival de sport sur le Mali se déroulera le 10 janvier à Bamako. Je te l'ai dévolu sur le site de Adama qui sera utile de démontrer en présence des producteurs internationaux. Je suis là pour aider à promouvoir des artistes maliens, des artistes jeunes, des artistes qui ne sont pas encore conscients. Donc nous avons initié avec l'aide de l'ambassade du Danemark un projet intitulé Sport sur le Mali. Nous allons inviter des promoteurs, des compagnies de disques éventuellement qui pourront s'intéresser à ces artistes. Donc on va les présenter devant ces promoteurs le 18 janvier ici à la Maison des Jeunes. De tels projets, je pense que c'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on recherche en tant que jeune artiste au Mali, c'est tout. On sait que la musique en tant que telle ne peut pas nourrir un artiste au Mali. Donc il faut quand même avoir des ouvertures sur l'Occident, sur l'Europe, parce que c'est encore là-bas que la musique elle est bien vendue. Le Spot sur le Mali sera à sa toute première édition. Le projet de 3 ans est financé par l'ambassade du Danemark qui entend faciliter l'envol des artistes maliens sous d'autres cieux. Aussi, un site sera créé pour le festival pour donner de visibilité aux futurs acteurs de la musique malienne. Culture, toujours, c'est autour des deux tomes du livre Le Réveil des Cœurs et l'Éveil des Consciences que l'écrivain Alousseini Diabaté a animé une conférence cet après-midi au Centre islamique de Bamako. Ces deux ouvrages sont des témoignages de la spiritualité et témoignages qui renforcent la foi aux croyants. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Conférencier et auteur de 2 tomes sur le réveil des cœurs et l'éveil des consciences, l'Ivoirien Alousseini Diabaté est un grand serviteur de Dieu qui se sert de sa foi pour en faire un instrument de reconversion des mentalités. Du micro à la plume, de la parole à l'encre, nous avons décidé de mener le combat de la libération des âmes et des cœurs
le combat de la restauration de la dignité de notre humanité déshumanisée, assombrie, car l'histoire attend d'être témoin de notre part de labeur et d'héritage de dignité que nous allons offrir aux générations qui viendront après nous. Sa conférence a été centrée sur le témoignage rapporté dans les deux tomes. Ainsi, en tome 1, le lecteur découvre cinq histoires, cinq dimensions, un jeune non-voyant à la piété exceptionnelle, Mouna Dije de la prostitution à la lumière de l'islam, pour ne citer que celle-là. Et quant au tome 2, le réveil salvateur, entre épreuve et foi, sont entre autres chapitres à lire. C'est un concept que nous avons voulu développer pour naturellement montrer le visage de l'islam sur un autre plan, une autre dynamique. Dans sa dynamique de médiation spiritualité, c'est le produit d'une émission radiophonique elle-même qui partage la vie des convertis à l'islam, la vie de personnes qui ont connu des moments très difficiles dans leur vie, qui étaient dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui aujourd'hui, du point de vue du cheminement spirituel, sont de véritables modèles d'exemplarité. Et c'est l'ensemble de ces histoires que nous partageons avec